Auto, vélo, tennis, boxe, hippisme, athlétisme, voile et natation. Un résumé complet des événements sportifs du week-end présenté par Thierry Roland. Sport dimanche soir dans un instant. Pour entrer dans l'aventure par la grande porte, cet été, il y en a qu'une. Les chips légères de Vico, croustillantes et bien dorées. Ces belles chips allégées, ça fait craquer. Le roi de la pomme de terre, c'est... C'est mon petit roi. Non, non, c'est pas lui. Non. Le roi de la pomme de terre, c'est Vico. Prends tes baskets et ton yago et va le boire loin du frigo. Le premier yago à boire, c'est la liberté. Avec Metal 5, découvrez l'étonnant pouvoir des microparticules. Regardez, versées au cœur du moteur, les microparticules Metal 5 s'attaquent à l'usure. Elles remétallisent les cylindres. Voyez, votre voiture retrouve tout son brio. Mission accomplie. Et plus étonnant encore, Metal 5, ça marche pour toutes les voitures. Tout simplement, Metal 5, ça marche. Avec un champignon, vous perdez la tête. Le jambon autour de l'asperge, vous n'y pensez pas sérieusement? Des crevettes et des brocolis. Mais quelle idée! Mayonnaise le sieur, tu me donnes des idées. Pas d'erreur, c'est le sieur. L'hydro-nettoyeur portable qui a la pression la plus forte, Suroil. Celui qui a le débit le plus élevé, Suroil. Celui qui a la plus forte puissance de nettoyage, Suroil. L'hydro-nettoyeur bleu Hobby de Suroil, le plus performant. Ma mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. Okay. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Traduction, bacon jaune, bacon vert. Salut les sportifs! Passez sur Pompon Rouge! Le bumper anti-choc! Il faisait froid ce jour-là. Et Jack avait envie de boire chaud. Pardon, excusez-moi. Il faisait chaud ce jour-là. Et Jack avait envie de boire froid. Laisse tomber, Jack. Le bumper de camping-gaz. Pour ceux qui n'ont pas froid chaud aux yeux. Pour marcher sur mes traces, commencez par courir dans mes chaussures. Chaussures Patrick, conseillé par des cracks. Il vous préserve intact jusqu'au soir. C'est le déodorant Obao Fraîcheur Sèche. Sec, il évite la sensation d'humidité. Sec, son souffle vous enveloppe d'une infinie fraîcheur. Fraîcheur Sèche, le déodorant sec d'Obao. Lundi, canicule. Victor Lanoux et Jean Carmet veulent la peau de Lee Marvin. Miu Miu le protège. Mardi, la folle Amanda surmonte toutes les crises. Jacqueline Maillan et Daniel Secaldi sont complices des champions du rire. Mercredi, à Dallas, rien n'est parfait. JR règle ses comptes et Angelica mijote sa revanche. Jeudi, inédit, bouleversant, ravageur. Le souffle de la guerre déchire le monde. Robert Mitchum et Ali McGraw.
Vendredi, Interville régale, ça trinque dans les arènes de Vic-Fezensac et ça déguste du côté de Marennes. Samedi, enquête multirisque pour Colombo, accident ou voiture piégée. Plein d'assurance, Peter Fall constate. Dimanche, Bernadette Lafont aime les chauffeurs de bus, mais pas son mari. Victor Lanoux fait un retour en force. Pour mieux vous informer et vous distraire, il n'y en a qu'une, c'est la Une. Au Castellet, les Williams font la loi, victoire sans histoire de Mansell, Prost 3e sans gloire. À Wimbledon, Lindell fait les frais de la finale et c'est lui qui paie cash. Le Tour enfin en France, le Belge Sergent, major à Strasbourg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sport Dimanche Soir pour une émission très dense, très riche, en effet, pour ce premier dimanche de juillet, en tout cas c'était sûr, et de l'été, je le crois. Il y avait une très très belle actualité sportive. Nous allons commencer par le Grand Prix de Formule 1 du Castellet, qui était le 6e Grand Prix de la saison. Les Williams Honda de Mansell et de Piquet étaient un petit peu trop fortes pour la McLaren de Alain Prost. C'est ce que nous raconte maintenant Christian Van Rijswijk. Cet après-midi sur le circuit Paul Ricard, vibrant hommage à Frank Williams qui voit triompher ses deux voitures. Ironie du sort, c'est à quelques kilomètres d'ici qu'après un terrible accident, Franck est paralysé à vie. 14h42, on revit le direct de l'arrivée. Franck, un doublé ici au Castellet, j'imagine que pour vous, c'est quelque chose qui vous fait très très plaisir. Oui, ça m'a plu beaucoup que Nigel a gagné, qu'il a battu en français. Alors dites-moi, c'était une course tactique de Williams, Piquet s'arrêtait pour changer deux fois, Mansell pas, vous avez fait ce choix ou c'était le choix des pilotes? Surtout le choix des pilotes. Ils ont contrôlé toujours leurs pneus et leurs lap times. Et c'était eux qui ont décidé de changer les pneus. Qu'est-ce qui a gagné ici? Ce sont les pilotes, ce sont les voitures ou ce sont les moteurs? C'est toujours un mélange. Est-ce que vous pouvez donner le casque pour avoir une conversation entre Jacques Lafitte et Franck Williams? Vous expliquez que Jacques Lafitte est là. Jacques Lafitte est là, je vous passe Jacques Lafitte. Voilà. Jacques, votre ancien directeur. Allô, Franck? Ah, cher Jacques, comment vas-tu? Moi, ça va très bien, Franck. Tu es vraiment dégueulasse, comme d'habitude, parce que tu n'es pas passé me voir ce week-end. Hein? Non, mais je sais que tu es très occupé, Franck, non, et je suis très heureux. Amène Bernadette. Oui, je crois que tu as surtout envie de voir Bernadette. En tout cas, bravo, Franck. Ah, merci. On est très heureux pour toi. Ah, merci bien, Jacques. Un plaisir à te parler. À bientôt, Franck. À bientôt, cher ami. Retour en arrière. À gauche, Mansell. À droite, Prost. Derrière eux, Piquet et Senna. Excellent départ de Mansell, de Prost, de Piquet. Senna est quatrième. Au bout de la ligne droite des stands, freinage violent pour un virage à droite en épingle. Si tout se passe bien pour les premiers, derrière, Johansson perd sa moustache. Les pilotes attaquent pour la première fois la ligne droite du Mistral et on comprend à ce moment que cela sera très dur pour Prost. Regardez, le pilote de la McLaren est surclassé au plan puissance. Il doit s'incliner devant Piquet. À chaque tour, dans la partie sinueuse, Alain refera une partie de son handicap. Mais visiblement, c'est assez mal parti pour le Français.